Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous, Corneille et Bernie. On est trop fort. John Bessera. Séance de dédicace exceptionnelle au musée des Arts Géniaux entre 17h30 et 18h15 demain. Ok, et qu'est-ce que ça fait? Tu veux le savoir? Ça fait courir. Où est-il? Ah, le voilà. C'est quoi ce machin? Ce que tu as sous les yeux est un objet ultra-collector, Bernie. C'est un disque vinyle rarissime. Je compte sur toi pour le faire dédicacer par Carmen Pavarotta. Mais c'est impossible. Je suis à court d'excuses pour sécher les cours. Ma grand-mère est morte 15 fois, je peux pas. La prochaine fois, Madame Martin va me virer de l'école. Pourquoi? Mais pourquoi suis-je un chien? Après, je crois qu'on a une sortie scolaire prévue, je sais pas trop où aujourd'hui, alors c'est pas trop grave si je la loupe. Je peux peut-être t'aider si t'as un pur plan pour que Madame Martin ne se doute de rien. Absolument certain que ce n'est pas grave de rater cette sortie. Je peux te créer un système infaillible pour faire l'école buissonnière sans éveiller les soupçons. Ouais, youhou. Tu sais quoi? Comme je loupe les cours uniquement pour te rendre service, moi aussi j'ai un petit truc à te demander. Ah bon? Un petit truc? Ouais, ta dédicace n'est qu'en fin d'après-midi, alors avant de se prendre la tête avec ta diva, on va passer une journée de folie à la Bernie. Marché conclu. Bernie Barge, encore un mot d'excuse pour manquer l'école. Cette fois, ça ne va pas se passer comme ça. Allô, monsieur Rico Barge. Bonjour, je vous appelle pour savoir si Bernie... Bernie? Oh, le pauvre. Il est au plus mal avec 42 fièvres. Je l'ai amené chez le docteur Cornelius. Oh, oncle Rico, je me sens pas bien, j'ai trop mal au ventre. Oh, oh non, je crois que je vais... Ah, excusez-moi, Mme Martin, mais il faut que j'aille m'occuper de lui, hein, maintenant. Alors, le docteur Cornelius... Je vous téléphone à propos de Bernie Barge. En fait, je voudrais savoir s'il est vraiment... Oh, Bernie Barge est victime d'une maladie infectieuse d'origine virale très sévère. Je pars justement en réunion avec mes collègues pour évoquer son cas. Je vous prie de m'excuser. Bernie, elle a marché. Ma chère Carmen Pavarotta, si je fais tout ça, c'est pour vous. Ah!
garde bien mes babines, Bernie. Je suis prêt à tout pour avoir une dédicace de mon idole, la grande Carmen Pavarotta. Mais là, je ne vais pas pouvoir passer toute la journée comme ça. C'est au-dessus de mes forces. Mais je rêve, lui, Tu m'avais promis qu'on allait passer une journée de folie. C'est quoi, une journée de folie à ma façon? Wouah, comment c'est trop la classe, la limousine de John! Eh, tu crois que je peux la conduire juste un peu, genre 100 ou 200 km? Allez, s'il te plaît, dis oui. Les personnes importantes ne prennent jamais le volant elles-mêmes, Bernie. Elles ont toujours un chauffeur pour conduire à leur place. Oh là là, je suis trop important alors! Jamais jusqu'à la dédicace. Oui, bonjour monsieur, j'aimerais réserver une table s'il vous plaît, nous serons là dans 5 minutes. 5 minutes? Mais c'est impossible. Oh, et pourriez-vous mettre la note sur le compte de John et Bess? Oh bien sûr, excusez-moi, tout sera prêt dans 4 minutes. Désolé, madame. L'entrée est strictement réservée aux membres ayant déjà une réservation. Mais vous ne pouvez pas, je vous en prie. Je dois absolument vérifier quelque chose. Sortez. S'il vous plaît, madame. Bonjour, monsieur a-t-il fait son chouette? Monsieur? Mais il n'y a pas de monsieur ici. Oh, c'est bien toi, Bernie Barge. Tu dégustes le dernier repas de ta vie de lycéen, je te préviens. Madame Martin! C'est pas faux, il y a un air de ressemblant, c'est vrai. Non, là, la vraie Madame Martin, elle est à la fenêtre. Si jamais elle m'attrape, je suis cuit comme ce homard. T'avais promis que tout se passerait bien quand là, il faut que je me plante quelque part. Attends, Bernie, je veux ma dédicace, alors soit nous allons jusqu'au bout, soit je hurle à la mort pour que Madame Martin te découvre. Non, tu ferais pas ça. Tu ne m'en crois pas capable? Oh non, mon copain. Oh non. Oh d'accord, Corneille, aide-moi, s'il te plaît. Psst. Hey, Don Diego de la Vega. Excusez-moi, mais il y a une dame qui fait des grimaces aux clients par la fenêtre. Tout de suite, monsieur. Bah, quel monsieur il parle depuis tout à l'heure? Tu le sais, toi, Corneille? Mais c'est à toi qu'il s'adresse, Bernie. Mais où allons-nous déjà?
toi, elle doit dédicacer mon disque ici, en écrivant pour Corneille. Compris, pour Corneille. Ça va, t'es stress. Tu m'as pris pour un autre ou quoi? Je suis pas bête. Nous arrivons ici dans la section des insectes avec les scarabées, les coccinelles ainsi que les cafards. Mais... bonjour, madame Chipolata. Alors voilà, vous pouvez me signer mon frisbee collector, là, c'est pour mon chien Corneille. Oh, Barbossa, je n'arrive pas à en croire mes yeux, il en existe encore un exemplaire. Ouais, je garde tous les vieux trucs, moi. Oh non, madame Martin, oh non. La sortie culturelle, c'était ici. Oh, oh non, il va Je le sens. Oh, comment elle est froide. Mon précieux vinyle. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'était le jour d'une folie, Corneille. Et puis maintenant, t'as un disque hyper collector dédicacé par un pied de diva, hein. Ça, c'est la classe. Ah ouais, c'est imbattable. Monsieur Rico, je viens voir Bernie. Bien sûr, même Martin, il est vraiment malade.